Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le jeudi 10 septembre 2020, 14h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça risque d'aller de plus en plus mal, mais ça n'empêche pas qu'on peut, nous, en tant qu'individus, continuer à avancer et prospérer. Le reste, on n'a aucun pouvoir sur les changements climatiques, les changements politiques, les changements financiers, les changements sociaux. Et depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a eu tous ces événements-là qui ont toujours existé, le bruit, la cacophonie, mais ça n'a jamais empêché les individus de prospérer, de faire leur vie, de continuer à élever leurs enfants, faire vivre leur famille et faire leur petit bonhomme de chemin. Mais pour ça, il faut être concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on va aller voir ce qui se passe quand même, parce que c'est important aussi de comprendre qu'il faut aussi se préparer pour des événements majeurs. Puis je pense qu'ici, je vous l'ai dit souvent, préparez-vous, ça va être vraiment, vraiment rock and roll, comme on dit. Et l'année 2020 est la plus rock and roll de l'histoire de l'humanité, avec tous les événements qui se sont produits. J'ai pas besoin de vous les résumer, et ça continue. Il n'y a personne qui a vécu tout ce qu'on vit en ce moment. Et là, on va aller faire un tour dans tout ce qui se passe aussi au niveau climatique, parce qu'on sait que le climat est sans dessus-dessous, parce qu'on est dans des changements climatiques. On est aussi dans ce cycle-là. Il y a le cycle des changements sociaux, le cycle des changements financiers et économiques et climatiques. Et tous ces changements-là, c'est ce qui fait que c'est historique pour nous, arrivent tous en même temps. Une tempête hivernale record au début apporte des températures bien inférieures à la moyenne et un record de neige, imaginez-vous, au Montana et au Nouveau-Mexique. J'en avais parlé un petit peu, je pense, mais peut-être sur l'autre chaîne. Mais j'en avais parlé, probablement que la plupart d'entre vous, vous êtes aussi abonnés à mes autres chaînes. Si vous ne l'êtes pas, vous irez voir, j'ai les liens dans la boîte de description. Une tempête hivernale record au début apporte des températures bien inférieures à la moyenne et un record de neige du Montana au Nouveau-Mexique, imaginez-vous. L'une des premières tempêtes de neige jamais enregistrées a balayé certaines parties des États-Unis, du Montana au Nouveau-Mexique, les 8 et les 9 septembre, donc hier et avant-hier, apportant une neige record et des températures record dans une grande partie de la région. Le système météorologique a frappé la région après une chaleur record, imaginez-vous. On a eu une baisse de 60 degrés Fahrenheit des températures en 24 heures. La dépression de niveau intermédiaire supérieur qui se déplace lentement et qui a été responsable de la tempête hivernale de début de saison dans les Rocheuses et les Hautes Plaines centrales se termine aujourd'hui, le 10 septembre. Les conditions hivernales seront confinées aux Rocheuses centrales ce soir jusqu'à jeudi, où de fortes chutes de neige supplémentaires sont possibles, a déclaré le prévisionniste de la fameuse chaîne de NWS. Les températures bien inférieures à la moyenne dont ce système a également été responsable, des Rocheuses aux Plaines, continueront de se modeler ou de se modérer. Au cours des deux prochains jours, les températures devraient rester bien inférieures à la moyenne jeudi et vendredi 11 septembre dans une grande partie des Rocheuses, du centre au sud des Plaines, du centre au sud, mais elles ne devraient pas être aussi inférieures à la moyenne que les jours précédents. La tempête a commencé à changer dans le Montana dès le dimanche 6 septembre, avant la fin de l'événement, la veille où la ville de Red Lodge, une porte d'entrée du parc national de Yellowstone, a reçu 266 mm ou 10 pouces de neige, imaginez-vous. Certains des plus grands totaux de neige ont été enregistrés dans le Wyoming, où jusqu'à 431 mm ou 17 pouces de neige sont tombés jusqu'au sud de Casper, dans le comté de Natrona. Casper a enregistré 2,3 pouces de neige le 7 septembre et 5,2 pouces le 8 septembre. Donc, c'est vraiment, vraiment assez inusité. Pendant ce temps-là, on continue dans toutes ces calamités climatiques où on a des inondations généralisées qui touchent 2,5 millions de personnes et plus d'un million d'acres de culture dans le Sindh au Pakistan. Les précipitations records et les inondations, encore là, on entend toujours ce mot depuis des années, de record, 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 parce qu'on est dans un changement de cycle climatique, peut-être dans un grand minimum solaire aussi, ce qui est peut-être confirmé par la NASA, hein, je vous en ai parlé souvent.
qui nous dit qu'on est dans un... Le 25e cycle, qui devrait être un maximum, va être peut-être un des cycles les plus faibles au niveau des explosions solaires depuis 200 ans. Des précipitations records, les inondations qui en ont résulté dans la province pakistanaise du Sindh ont affecté près de 2,5 millions de personnes et plus de 405 acres, hectares, ou 1 million d'acres, pardon, de culture depuis le début de la saison des pluies. Au total, 15 000 villages ont été inondés et plus de 77 000 maisons détruites et plus de 137 000 endommagées pour des populations souvent qui se vivent dans la promiscuité, hein, puis dans vraiment dans le strict minimum. Et ça, c'est comme ça depuis... Ça s'intensifie depuis des années. Hein. J'en parle beaucoup ici. Il y a plusieurs d'entre vous aussi qui suivez d'autres chaînes aussi qui parlent de tout ça, parce qu'on n'en voit pas de ces événements-là à la télé. On ne veut pas que vous sachiez ça non plus. Et je vous laisserai, comme d'habitude, les liens de ces articles-là, comme ça, vous pourrez visionner les images saisissantes. Selon le ministre en chef du Sindh, Sayed Mourad, le district le plus touché de la province, est Mirpourkas avec 931 901 personnes touchées, suivi d'un autre Umerkot avec 700 000 personnes touchées. Mirpourkas dépend de l'agriculture et de l'élevage, la plupart de la population vivant dans une extrême pauvreté. De fortes pluies ont fait éclater les rivières Chenab et Hindou, forçant les habitants de districts tels que Kaipur, Jamshoro et près du barrage de Goudou à évacuer. Plus d'une douzaine de villages ont été submergés après le gonflement du fleuve. Plus de 1000 personnes ont été piégées et forcées de s'aider elles-mêmes, car l'aide gouvernementale n'aurait pas atteint la région à temps. Les habitants de Jamshoro ont également souffert de la même situation. Les responsables de la gestion provinciale ont averti que les inondations dans le barrage de Goudou devrait augmenter. Le 10 septembre, une alerte élevée a été lancée, des camps ont été formés et des patrouilles dans ces zones ont été intensifiées. Vraiment incroyable. Mais ça continue et ça continue. Pendant ce temps-là, on est en Oregon, où des incendies de forêt sans précédent forcent des évacuations et des interventions d'urgence dans tout le... L'État de l'Oregon, imaginez-vous, le gouverneur de l'Oregon, Kate Brown, ou la gouverneure plutôt, a déclaré une urgence contre les incendies de forêt le mardi 8 septembre 2020, après que des incendies de forêt aient forcé des évacuations et incendié au moins deux villes. Les responsables de l'État ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu de conditions aussi propices à des incendies destructeurs. Cela s'avère être un événement d'incendie sans précédent et important pour notre État, a déclaré Brown lors d'une conférence de presse mardi après-midi. Nous n'avons pas de contexte pour cette quantité d'incendies sur le paysage, a déclaré Doug Grafe, chef de la protection contre les incendies au département des forêts de l'Oregon. Des fortes rafales de vent lundi après-midi, le 7 septembre, ont donné une nouvelle vie aux incendies de forêt dans le centre et l'est du comté de Marion pendant des semaines, créant ce que les responsables appellent maintenant l'incendie de Santiam, rapporte l'OBP. Le feu a rapidement balayé les canyons à l'ouest des Cascades, forçant des évacuations dans un certain nombre de communautés à l'est de Salem. Ailleurs, dans l'État, l'intensification des incendies de forêt près d'Eugene, Ashland et le long de la côte a incité des ordres d'évacuation dans les villes et les prisons d'État. Wow, je laisserai les liens de tout ça, c'est complètement hallucinant. En Californie, bien là, imaginez-vous, vous le savez sûrement, hein? Ça, ils en ont parlé un petit peu, les médias, parce que c'est spectaculaire, c'est toujours au même endroit, puis on rebelote avec ça parce que ça sert d'argumentation pour ce qu'on essaie de faire avancer comme agenda, mais ça, c'est un événement parmi des centaines d'autres dont on ne parle pas. 2 millions d'acres brûlés par des incendies de forêt en Californie, dépassant le record de tous les temps qui avait été établi en 2018, mais encore là, c'est quand même grave. Les incendies de forêt de cette saison en Californie, aux États-Unis, ont brûlé plus de 809 000 hectares, soit 2 millions d'acres de terre, au 7 septembre 2020, dépassant le record absolu de 793 établi en 2018. Nous ne sommes même pas entrés dans la saison des incendies d'octobre et de novembre. Et imaginez, on a battu tous les records. Donc, ça aussi, je vous laisse ça dans la boîte de description.
Et il y a plein de typhons, le fameux typhon Eishin, qui a touché le Japon et qui a amené aussi, encore là, des rafales records et touche terre à Ulsan, en Corée du Sud. Le typhon Eishin a frappé le Japon les 5 et 6 septembre 2020 avant de toucher terre à Ulsan, en Corée du Sud, vers minuit le lundi 7 septembre, en tant qu'équivalent d'un ouragan de catégorie 2. Au moins 3 personnes ont été tuées, une au Japon et 2 en Corée du Sud. Cependant, 4 personnes sont toujours portées disparues au Japon. Avant la tempête, les autorités japonaises ont ordonné à près de 1,6 million de personnes d'évacuer les zones dangereuses des 7 préfectures de Kyushu, ainsi que la préfecture de Yamaguchi, et ont conseillé d'évacuer 6,6 millions de Japonais supplémentaires. Près de 4 millions de personnes sont toujours sous avis d'évacuation. Cependant, seulement 200 000 personnes environ ont effectivement été évacuées, dont 50 000 à Nagasaki, 46 000 à Fukuoka, et 42 000 à Kumamoto. Le typhon a causé des pannes de courant massives, perturbé les transports et les réseaux mobiles et fait au moins un mort et quatre disparus, en plus de 108 blessés. Au Népal, imaginez-vous, des dizaines de morts dans la plus grande catastrophe naturelle de l'année au Népal. Au moins 14 personnes ont été tuées, 41 autres sont portées disparues, après de graves crues soudaines et un glissement de terrain massif qui a frappé cette semaine le district de Baglong dans le nord-ouest du Népal. Les sauveteurs ont noté que le nombre de morts pourrait augmenter lorsqu'ils fouillent les restes de dizaines de maisons emportées par les eaux ou enfouies dans la boue. Imaginez-vous, la catastrophe a eu lieu le 3 septembre dans la municipalité de Dorpatan, 9 dans le district de Baglong. Pas moins de 40 maisons ont été emportées dans 3 colonies, ont déclaré des responsables vendredi, le 4 septembre, ajoutant que les glissements de terrain avaient également lavé un poste de santé, des bâtiments de 2 écoles primaires, 3 microcentrales hydroélectriques et de nombreux jets d'eau potable et un certain nombre de ponts suspendus. Le personnel de l'armée impliqué dans les opérations de recherche a dû utiliser des pelles et des pioches pour rechercher les survivants à travers les débris. Pendant que tout ça se passe, nous autres, on est là, on continue, mais c'est tout ça qui se passe et dont on est ignorant. Malgré tout, il faut qu'on sache que c'est là et que ça peut venir aussi vers nous, tout ça. Il n'y a rien qui... On voit, on est de plus en plus touchés par toutes ces événements. Hein. Ici au Québec, on l'a été, en France, vous l'êtes. Imaginez-vous, on est rendu maintenant au Soudan où le Nil est au plus haut niveau depuis le début des relevés. Un état d'urgence de 3 mois a été déclaré au Soudan au milieu de graves inondations qualifiées par le premier ministre Abdallah Hamdok de catastrophiques et douloureuses. Imaginez-vous encore là pour une population vraiment dans des conditions précaires et vraiment minimales. Plus de 100 personnes sont mortes, plus de 100 000 maisons ont été endommagées ou détruites et environ 1,5 million d'habitants ont été déplacés depuis le début de la saison des pluies. Sur l'île de Touti, où le Nil bleu et le Nil blanc se rencontrent pour former le Nil principal, les niveaux d'eau ont atteint 17,57 mètres ou 57 pieds la semaine dernière, le plus haut niveau depuis le début des enregistrements il y a plus de 100 ans. La ministre soudanaise du Travail et du Développement social, Lina El-Sik, a rapporté samedi 5 septembre qu'en plus de 100 décès dus à de graves inondations cette année, environ 46 personnes ont été blessées et plus de 100 000 maisons sont partiellement ou totalement effondrées. Encore là, c'est d'une tristesse à mourir. Et ça continue, il y a plein d'autres. 200 000 personnes sans abri après de graves inondations qui ont frappé l'extrême nord du Cameroun, 10 septembre. On essaie d'oublier tout ça, hein, parce qu'on veut quand même pas que les gens s'énervent déjà pour rien. Imaginez-vous, environ 200 000 personnes étaient toujours sans abri au 10 septembre 2020 après de graves inondations qui ont frappé la région de l'extrême nord du Cameroun. Au moins 5 morts ont été signalés. Le bétail et les cultures ont été touchés. Des milliers de maisons ont été endommagées ou détruites. Soulé Amadou, victime des inondations, a déclaré à Kouassi que les personnes touchées n'avaient pas d'abri et dormaient dehors, sur le sol, demandant au gouvernement de leur venir en aide. Une autre victime a déclaré qu'elle n'avait plus rien à manger, que les enfants souffraient le plus.
Certains habitants ont dû construire leur propre camp de fortune. Nous perdons des gens, des animaux, des oignons, des céréales, des poulets, tout! Les inondations emportent tout! Il ne nous reste rien, a déclaré les membres de la population. Les inondations ont apporté le bétail, endommagé les plantations. Un talus le long de la rivière Lagone a également été emporté et de nombreux ponts se sont effondrés, isolant certains habitants. Environ 200 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Les inondations ayant détruit des milliers de maisons. L'électricité est également interrompue depuis des jours. Aujourd'hui, nous demandons au pouvoir public d'aider la population de Merrem qui est sous l'eau et inondée. Nous avons même des déplacés. Certains d'entre eux ont été réinstallés à Yuma, Kongeleo et Wideo, même à Keroum. Vraiment, vraiment hallucinant. En Algérie maintenant, hein, chez les cousins maghrébins, des crues soudaines, meurtrières, paralysent le nord de l'Algérie. Plus de 800 maisons inondées. Il n'y a personne qui est épargné. Ça a été écrit, ça a été dit il y a longtemps. De fortes pluies du 7 au 8 septembre 2020 ont déclenché des crues soudaines dans les provinces du nord de l'Algérie, tuant au moins une personne et laissant plus de 800 maisons inondées. Un certain nombre d'accidents de la route ont également été signalés, entraînant d'importantes perturbations de la circulation dans au moins 5 municipalités. Une personne que l'on croyait être un enfant est décédée après avoir été emportée par les eaux de crue à Mila, selon la protection civile algérienne. Les inondations sont survenues lorsque les pluies torrentielles ont frappé le nord Baraki, enregistrant 2,5 pouces ou 63 mm de pluie sur une période de 24 heures. Ailleurs, des équipes de secours ont sauvé 3 personnes d'un véhicule bloqué dans un tunnel inondé à Oum El Bouaghi. Des images encore là, saisissantes. Le Pakistan, je vous en avais parlé. Maintenant, on est en Afrique du Sud, au Ghana, au Burkina Faso. Eh oui, hier, des inondations meurtrières ont frappé le Burkina Faso et le Ghana en Afrique de l'Ouest. C'est exactement ce qui avait été écrit depuis longtemps dans les écritures, parce que c'est cyclique et les gens qui ont écrit ces écritures, hein, qui sont auteurs de ces écritures-là, savaient bien que tout était cyclique. Et qu'il y a des moments où il y a des remises à zéro et tous les changements s'alignent en même temps. Et là, on est dans ce moment-là historique. De graves inondations ont frappé certaines parties du Burkina Faso et du Ghana cette semaine, entraînant d'importants dégâts matériels et au moins 8 morts. De fortes pluies affectent les pays d'Afrique de l'Ouest depuis la mi-août, déplaçant de nombreux habitants. En Burkina Faso, les fortes pluies du 4 septembre ont provoqué des inondations à Kaya, centre-nord, tuant au moins 4 personnes. Des inondations antérieures ont affecté Ouagadougou, à la suite de fortes averses du 30 août qui ont endommagé de nombreuses maisons et propriétés. Au Ghana, des inondations ont balayé les routes, les ponts, les maisons et les terres agricoles dans les régions du nord et du nord-est en raison des fortes pluies et des déversements du barrage de Bagre au Burkina Faso vers la mi-août. La compagnie d'électricité Sonobel, qui gère les barrages de Bagre, a déclaré que les rejets étaient nécessaires en raison des niveaux d'eau élevés. Les résidents près des rives des fleuves Volta, Noir et Blanche au Ghana ont été exhortés à évacuer. Les inondations causées par de fortes pluies entre le 5 et le 6 septembre ont causé des dégâts matériels et fait au moins 4 morts dans le nord-est. 2 des victimes ont été signalées dans le district de Bonkpourougou. Donc vraiment, voyez-vous, c'est partout, personne est épargné. On est au Kenya, où une violente tempête de grêle laisse une trace de destruction à Narok. Imaginez-vous, au Kenya. Les habitants de Narok au Kenya se sont réveillés devant une couverture de neige et une traînée de destruction lundi, il n'y a pas si longtemps, le 7 septembre 2020, cette semaine, lundi, à la suite d'une violente tempête de grêle qui a frappé la ville pendant la nuit. De larges pans de culture ont été gravement endommagés, laissant les agriculteurs dévastés alors qu'ils estiment d'énormes pertes. La tempête accompagnée de températures glaciales a commencé dimanche soir, le 6 septembre, engloutissant les rues et les routes de glace. Selon Peter Runanu, directeur de la météorologie du comté de Narok, les grêlons mesuraient environ 2 à 5 cm de diamètre. Il est vrai que les parties inférieures du mot, comme Enabebel,
ainsi que la partie supérieure du Mont ont été témoins des tempêtes de grêle. Cela s'est produit alors que les nuages qui couvraient les côtes du Mont jusqu'au Nyandarua sont tombés, provoquant la tempête. Les habitants ainsi que les agriculteurs ont commencé à compter les pertes après que la tempête ait laissé un chemin de destruction, en particulier en détruisant les récoltes de blé, de pommes de terre et de maïs. Imaginez-vous, comme s'ils avaient besoin de ça. Toutes les pommes de terre viennent d'être réduites en vignes nues. Pas de feuilles, c'est une énorme perte pour moi, car sans feuilles, cela signifie zéro production, a déclaré John Olepezi, un habitant d'Olokurtu Ward. Vraiment, vraiment, vraiment pas drôle pour tous ces gens-là. C'est incroyable. En Oregon, je vous en ai parlé. Au Nigeria, des inondations encore là, qui laissent des traces. 21 morts, des milliers de maisons détruites. Et c'est comme ça, chers amis. Ça, c'est juste cette semaine. Juste cette semaine. Et ça continue. Le Sénégal, avec... Encore là, le 8 septembre, un état d'urgence après de fortes pluies exceptionnelles provoquant d'importantes inondations. Un état d'urgence a été activé au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au milieu d'inondations majeures en cours dans de vastes étendues du pays causées par de fortes pluies depuis le 5 septembre. Wow! Maintenant, tu as la tempête tropicale René qui traverse le Cap-Vert. La tempête tropicale René s'est formée et va laisser aussi ses traces naturellement. Tremblement de terre en Iran, 5.1, 34 blessés, des dizaines de bâtiments endommagés ou détruits après un tremblement de terre de 5.1. La neige aux États-Unis, le typhon Aishen. Voyez-vous, chers amis, ceux qui pensent que tout va bien, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais il faut être naturellement rester équilibré, rationnel dans tout ça, mais être conscient qu'on vit des moments vraiment, vraiment, vraiment uniques. Et qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans des conditions extrêmes et qui souffrent à tous les jours. Il faut avoir une pensée pour eux. Puis notre tour va venir. Il n'y a personne, c'est écrit, personne ne sera épargné.